Mon fils n'est pas rentré à la maison. Et écoutez, je suis sûr qu'il va revenir. Son prénom? Jamal, J-A-M-A-L. Est-ce qu'il a un signe distinctif? Cicatrice, tatouage, dents en or? Le pseudo qu'on lui donne, son nom de rue? Il a jamais eu de nom de rue. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les informations devraient passer par le lieutenant Stokes. Je le connais pas personnellement. On m'a dit qu'il avait reçu un message lui demandant de venir immédiatement. Dites-moi maintenant. Madame, elle passe de normale à une vraie chienne enragée. C'est bon, ça va bien se passer. Où est notre fils? Moi aussi, j'ai des enfants, ok? Est-ce que vos enfants sont noirs? Je vous demande pardon? Garde tes mains sur le volant, mon garçon. Regarde droit devant et ne fais aucun geste brusque. Il ne faudrait surtout pas rendre l'homme au gilet pare-balles nerveux quand il s'approche de ta vitre et qu'il te pointe directement un Glock sur ta tempe. C'est quand même toi qui as disparu de sa vie. Non, ça va être ma faute. Tu es parti, tu l'as abandonné. Retrouvons vite notre fils et repartons chacun de notre côté, d'accord? Très bien. Écoutez-moi, nous avons attendu et on a été patients. Ça suffit de nous prendre pour des cons! Où est Jamal en ce moment? Je veux savoir, on veut lui parler tout de suite. Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. C'est pas vrai! Arrêtez de me hurler dessus! Je voudrais savoir ce que vous attendez de moi. S'il vous plaît, retrouvez mon fils!